Ça m'intriguait vraiment de ouf pour le coup. Oh non. Du déodorant. Faut que j'arrive à grinder de là à de tout là-bas. Mais là faut pas zoomer là, tu fais un gros plan sur ma tête. Ouais. Tu peux faire plus vite. Mais j'ai mes gants. Voilà, c'était bizarre comme... Je parlais du zoom. Yo les gars, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concept que vous avez kiffé la dernière fois. C'est les life hacks, ou dirais-je même les skate hacks, pour rendre votre vie meilleure sur un skateboard. Ça me donne envie de me mettre au skate du coup. Ben, mettez-vous au skate. Et achetez Skate & Progress pour apprendre le skate. Voilà. D'ailleurs merci, je l'ai pas dit, mais vous avez fait un accueil de ouf pour le nouveau livret rampe. Ils sont toujours dispo. Si vous voulez vous faire plaisir, le lien est dans la description. Et merci beaucoup pour tout l'amour. Passons aux hacks. C'est des hacks que j'ai trouvés sur TikTok. On va tester si ça marche. Et le premier, il va durer toute la vidéo. Le watch time. On est fort, hein. Et c'est avec des gommes. Comment des gommes peuvent bien servir au skateboard? Qu'est-ce qu'on fait avec des gommes? Ben, on le découvrira en fin de vidéo. Du coup, on passe au premier vrai hack. Et c'est là où je vais pouvoir m'échauffer. Avoid wheel bite by grabbing that wax and applying it to the wheel well. Il y a beaucoup de hacks sur de la wax. On peut faire plein de trucs avec la wax. C'est une petite glace. Trop mignon. Elle sent bon en plus. J'avoue, ça sent trop bon. Ça donne envie de croquer dedans. Gnac gnac. Non. C'est dégueu. Le premier hack, c'est le plus connu en général. Là sur la board, les roues elles vont toucher des fois. Surtout quand on fait du gap. Et en fait ça te fait bloquer. Ça s'appelle un wheel bite. Et du coup, pour pas bloquer sur des gaps, tu wax ta board ici. Et je vais être obligé de m'échauffer sur du gap par contre. Et c'est pas une très bonne idée. Je sais pas quelles conséquences ça peut avoir personnellement, mais... Hôpital est mort. Subite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé dans ce skatepark nul. Ouais, il y a des trous par terre, regardez, la ville du Havre. Honte à vous. C'est le jet de la honte. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Alors, ça marche? Bah ouais. Je suis pas tombé donc oui. Mais attends, on va faire plein de tricks. J'espère bien, parce que là on se fait chier pour l'instant. La vidéo, ça fait 2 minutes qu'elle a commencé. Je suis un kangourou. Non, je rigole. Oh, le niveau des blagues. Je me dis, pour quelqu'un qui connaît pas trop, ça doit être 3 fois le même tricks pour eux. Champions. Mortel. Mais je sais pas. Je sais, mais je sais pas. Je sais pas si le hack marche parce que je replaque tous mes tricks parfaitement. Le mec il a pris un melon énorme. J'avoue, je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit. Ben, on va dire que ça marche. Je vais continuer, on va voir si je bloque. Mais en vrai, tous les pros ils font ça. Ils m'ont influencé. Faites-le aussi alors. Wow, ça va? Très bien. T'en as trop mis là du coup. T'en as trop pris mon vieux. Attention, il y a quelqu'un qui vole ta trottinette. Oh non, le... C'était pour un autre hack. Oh, j'ai le seum. Bah, je vais devoir aller chercher une autre trottinette. Dis-lui. Mais il vient de payer. Il s'en va avec notre trottinette. Bah, ça peut être cool, hein. Ma lime. T'as juste sauté en l'air, t'as même pas essayé de faire un truc. Bah, si, j'ai essayé, c'est ça le pire. Très impressionnant. Je suis pas du tout satisfait. Et je vais refaire. Ce trick mérite du respect. J'ai envie de faire 1 ou 2 derniers tricks sur le gap pour bien clôturer le hack. Parce que ça marche les amis, c'est révolutionnaire. Ouais. C'est fini de bloquer sur les gaps. Maintenant on fait des zipettes et on se casse les 2 coudes. C'est bien mieux. J'ai bloqué un peu là. Ça marche pas si bien que ça finalement. Faut que j'en rajoute. Ah. Quand t'as pas de wax, faut une autre solution. Chaque problème, une solution. Comment on va faire? Pas de wax, on utilise... Du... du caca. C'est ça que t'allais dire? On utilise de la cire d'oreille. If you're at the skate park and you have no wax, deodorant. Oh non. Du déodorant, mauvais pour la planète. Par contre, j'ai pris ce déodorant là, 72 heures. C'est qui les crados, ils mettent du déodorant 72 heures, nickel.
Pas de douche, pas de réchauffement climatique. Exactement. Est-ce que ça marche que avec ce déo là ou avec n'importe quel déo? Non, c'est que ce déo là. C'est vrai? Non, pas que le Ménène. Ah. C'est pas genre Ménène déodorant ou wax. C'est du déodorant comme ça là. Ok. Mais si t'as pas de wax, d'où tu vas avoir du déodorant au skatepark? Dans ton sac. J'ai un grand projet. Et cette fois-ci, on va essayer sans hack et avec hack. Faut que j'arrive à grinder de là à de tout là-bas. Ah ouais. Oh. Mince. En fait, du coup, le hack, c'est pas besoin de wax. Et j'ai failli m'arrêter quand même. Le point positif, c'est qu'après, on peut le réutiliser. Il est plein de rouille, c'est cool. En vrai, ça marche. Ouais, t'allais plus vite là, tu glissais mieux. Et j'ai une idée débile. Là, c'est de la grosse cascade. Je grigne de là-bas comme tout à l'heure. Mais là, je fais ça. Comme ça, tu testes les deux hacks en même temps. T'es hyper intelligente. Et on va essayer le premier hack avec du déodorant. Ah ouais, inception de hack. Donnez-moi des hacks en commentaire et on les essaye dans une troisième. Une liste de trucs qu'on peut utiliser pour waxer à la place de la wax. Il va y avoir du caca sur les copings, ils vont me dire qu'est-ce que t'as fait, j'en ai encore. Plus je regarde le spot, plus je me dis que le gap il est haut à la fin quand même. Aïe. J'ai bloqué juste avant de sauter. J'ai waxé juste la fin. Je vais prendre un boost de vitesse. Ça va être grandiose. Prochain hack est un hack de poseur. Today I'm gonna show you how to turn your skateboard into a skate chair. C'est juste s'asseoir sur ton skate, le hack. Mais il y a une façon de le faire, voyons. C'est tout? J'ai l'impression que toute l'audience est déçue. C'est nul! Au moins ça marche mieux que le déo. Là c'est nul. Bah je sais pas, tu sais. Bah je sais pas, tu sais comment faire un transat avec un skate? Non, vas-y. Ça marche. Non, non. Qu'est-ce qu'on en dit dessus là? Ah bah là tu m'as scotché là. Quatrième hack. Ça je l'ai jamais essayé. Incroyable. Mais te fous pas de moi là-haut. Déjà la dernière fois Charlotte elle l'a fait à Paris et je l'ai retrouvé sur internet. To refresh sticky trucks, disassemble them with a tool and wax any point that makes contact with rubber. Écoute, un peu d'ASMR. Viens, viens, rapproche-toi. Je filme quoi? Filme mes pieds. Ça normalement il y a un truc pour l'enlever. Il faut ma wax et un tool. Ma chouchou. Hop là. Le bon accent de normand. Regarde comment j'y beurre le bout celui-là là, oh. Tout le truc je vais y beurrer, on va voir si ça couine encore. C'est la grosse ou la petite? La grosse elle est en bas non? Bah regarde sur l'autre déjà qui est toujours monté. T'as vraiment fait des études. Et toi hein. Heureusement que je suis venu hein. Mais j'ai jamais démonté un truc en même temps. Je fais ça pour le deuxième truc et puis on va voir le résultat hein. Mais du coup c'est quoi le but? Parce que ça te gêne que ça couine? Je sais pas si ça influe sur ta façon de skater. Genre si le troc est moins performant. Je pense que c'est plus fluide tu vois si ça coince pas. Ouais. C'est comme une porte, si elle est bien huilée. Elle se ferme bien. Bah tu devrais huiler ta bouche. Le prends pas personnellement. C'est le test ultime. Ça couine moins. Mes trucs sont neufs. Donc ça peut peut-être expliquer que ça couine encore un peu. Non. Il est validé quand même. Oui franchement ça marche bien. Bah du coup prochain hack. Et c'est là où j'ai besoin de la trottinette. J'ai pas dézoomé assez vite. Oh putain! T'as tout raté l'atterrissage là! Je suis fatigué maintenant. Vas-y, c'est quoi le hack? C'est un hack pour popler peu. T'as plus d'oxygène dans ton cerveau ou quoi? J'en ai jamais eu. C'est pour popper plus haut, faire des ollies plus haut. Ok. Avec de la wax. Apply wax to the very tip of your board. This reduces friction when you pop on rough ground. Les images marchent mieux que les mots. Quand tu pop, tu utilises cet endroit là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est abîmé. Si tu waxes le bord de ta board, apparemment c'est mieux pour popper. Et ça c'est des mathématiques. Moins de friction, plus d'action. Donc c'est de la physique plutôt. Arrête toi, rappelle ta science parce que ça m'a se passer. Ouais c'est la friction entre la planche et le sol. Oui c'est. Et quand il y a moins de friction, tu peux sauter plus haut. Ça se passe mieux quoi. Docteur Nozman, dis-nous en commentaire si c'est vrai ou pas. Mais ça m'intriguait vraiment de ouf pour le coup. C'est lourd de ouf.
Mais du coup, je comprends la wax, mais que fait la trottinette? Bah, faut un obstacle pour sauter par-dessus. Ok, donc ça pourrait marcher avec n'importe quoi d'autre. Ouais. Vous pouvez sauter des abribus. Déjà, je vais voir si ça change un truc. Genre, okay. Si je ressens que je saute plus haut. Et ensuite, j'aimerais bien faire flip. Flip back. Flip, flip back. Yo yo. Dans 5 minutes, je me mets à rapper. Aurélien, une chanson. Il fait de la musique, Aurélien? Mais pas Aurélien Giraud, Relsan. J'essaye 180 bacs. Mais est-ce que ça va prouver que ça marche ou pas? C'est toi si t'es fort ou pas, mais c'est pas la wax. Elle influe pas là-dedans. Bah je sais pas moi, tu m'énerves. Rendez Gaël, il pose moins de questions. Ça marche hyper bien. Est-ce que c'est mes jambes ou c'est la wax? Bah je pense que c'est la wax hein. Oh non. Quoi? Mon roulement il est cassé. Oh flûte. Regarde. Ah ouais. Faut que j'y arrive quand même. Mais à tout moment là, ma roue peut partir. Olé. J'ai réussi avec le roulement cassé. J'essaye flip back. Oh, on est encore là pour une heure. Bah tu vois ce que tu viens de dire là? Fais gaffe. Remets de la wax. C'est chaud en vrai. J'ai waxé ma board, j'ai réussi direct. Coïncidence. Je ne pense pas. Il reste un hack. Les gommes. À quoi ça sert la gomme? Get a regular eraser. Then just try and erase the dirt off. Les grips, ça a tendance à vite se salir, surtout dans les nouveaux skateparks avec la poussière. Et pour enlever cette poussière, quand tu waxes, je suis matrixé par la wax. Ceci est une gomme. Je vais gommer la moitié de mon grip. Ok, là on a des bonnes taches de poussière. Ah bah voilà, suffit de souffler. J'en peux plus. TikTok a ruiné ma vie. C'est ça la vidéo. Là il y a un peu de poussière. Ouais. Ça a marché? Je pense que oui. J'espère que vous avez apprécié ce divertissement. Ciao. Ciao bello. Ciao ciao.